Et normalement, elle doit sortir. Normalement, je crois une semaine, Fred, maximum, là. Environ, j'espère. En vrai, j'espère qu'elle sera sortie pour le week-end prochain. Je sais pas. Je peux pas te dire. Elle est en train d'être finalisée, là, normalement. Enfin, ils sont en train de la monter, pardon. Parce que je crois qu'ils ont eu des problèmes à cause du Covid, tout ça. Qui apparemment a bien retapé. Parce que je sais aussi que ça a bien retapé le Covid ces derniers temps. Et ça a foutu un petit. Ça les a un peu retardés. Sur un peu tout. Merci encore, Gecko. Gecko mortel pour les bits. Que Prince. Bon, je pense qu'il est déjà plus sur le stream. Hein. Drone ennemi actif. Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait lui? Pourquoi il m'a regardé? Je crois qu'il a pas compris. Hein. Pourquoi il m'a regardé le... C'était un français. Pourquoi il m'a regardé comme ça là? Il est fou lui. Je sais pas ce qu'il faisait. Je crois qu'il a pas compris le. Le but du jeu c'est de tirer sur les autres. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris là? Au boulot. Magasin du marché. Oh merde. Détecté à proximité. Oh j'ai pas fait exprès. Soldat ennemi à... Ah. Drone ennemi actif. Bah impeccable. Brouilleur de radar ennemi détecté dans votre zone. Bah merci frérot. Merci Gecko. À bientôt. Ça va ou quoi les mecs? En vrai, ouais, je vous dis, franchement, Rebirth, là, enfin, ce mode-là, je vous cache pas qu'en attendant Warzone 2, je pense que c'est un des meilleurs trucs à faire. Soldat ennemi à proximité. C'est comme moi, genre. Tout c'est que tu le quittes, tu relances, ça va vite, genre tu perds pas trop de temps. Vous manquez de temps. Trouvez le magasin du marché noir. Je sais pas, genre. Piao. Bon, pourtant j'aimais pas du tout, comme l'a dit, j'aimais pas Rebirth sur Alcatraz, mais. Je sais pas, sur cette map là, je trouve que ça va. Franchement, ça va. La map est un peu plus grande. Enfin, elle est plus grande quand même parce que t'as les sous-sols et tout. Oh merde! Qu'est-ce qu'il faisait lui? C'est malade dans cette game. Ouais, c'est une mini caldera. Ouais, c'est bien, franchement. Tant qu'il me laisse la méta là sur Caldera, j'ai pas envie d'aller sur Caldera. La NZ, la méta, elle est vraiment pas agréable. Elle est un petit peu. Enfin, moi j'aime. J'aime pas trop l'arme. S'ils arrivent pas à la patcher, je sais pas, j'ai l'impression. Ou alors ils veulent pas la patcher. Mais... Oh. Enfin, il la patch, mais les patchs ils sont pas terribles, genre ils prennent trop de temps.
La blague. La blague. Moi je vais arrêter l'arbalète parce que là je rentre pas une balle. J'y touche plus à l'arbalète là je crois. Eh ouais. Mais c'est un petit peu. Surveillez le ciel. C'est un petit peu le problème de toutes les armes de voir de Vanguard. Ils ont pas beaucoup de. D'identité. Oh ça c'est le terme. Ils ont pas d'identité les armes. Elles se ressemblent tous, les armes de Vanguard. Reconnaissance lancée. Tu sais pas si. Tu prends la NZ, tu prends la Cooper, tu prends la KG, t'as l'impression que tu joues trois fois la même arme. C'est un beau terme. Ouais, c'est un patch qu'il devait faire, mais. Honnêtement. Le drone est à court de carburant et de range. Il n'en reste plus que 25. J'ai tiré trop. Ah, ouais, c'est vraiment. Ah non. Bah, si, si, j'ai tiré trop parce que sinon ça aurait fait exploser. Tu sens pas de différence. Mais au niveau des SMG, je trouve ça va. Hein. Les SMG, genre la Marco, la Blixen et tout, tu sens qu'il y a un truc quand même sur les armes, mais c'est vrai qu'au niveau des airs. Genre, comme je dis, tu prends la KG, la Cooper, la STG, t'as l'impression que c'est trois fois la même arme. Juste la Cooper tire un peu plus vite. Non, mais vraiment, entre la STG et la KG, ça se voit vraiment. T'as l'impression que c'est la même arme. Y a pas un recul sur l'arme, y a rien, ça tire droit, c'est. Elles sont plates les armes. Beaucoup de gens disent que c'est Cold War qui a tué un peu Overdance, mais moi je trouve que Cold War c'était presque la meilleure équipe. L'intégration de Cold War, les armes et tout, c'était bien. Il y a eu la MG, c'était bien. Bon, après la DMR et tout, faut pas les compter, mais genre la MG82, t'avais les méta, même si c'était pas tout ouf, t'avais les méta Rafale, la K47, la C58, c'est des armes qui étaient quand même. C'était cool quoi, le M2. Le M2 qui ressemblait quand même un petit peu à la C58, mais c'était des armes qui avaient quand même une certaine identité. Armes avec du recul un peu, tout ça. Mais là. Puis le bruit des armes était satisfaisant. Vraiment. Pas moi. C'est que mon point de vue, mais. Oh merde. Oh non, c'était un Pokémon lui. Et ouais, terrible. Merci Gecko pour les 100 bits. Merci beaucoup. Y'a un mec. Surveillez vos arrières. Il y aura bientôt plus de résurgence. Ouais, ouais, l'OTS. Ouais, non, mais vraiment. Après, y'en a plein, je vais pas tous les faire, mais. Moi je trouve vraiment que l'intégration de Cold War était bah, très bien quoi. Et était très bien faite. Non mais après on t'obligeait à jouer avec les méta aussi avant, hein. Ça a pas trop changé mais. C'était quand même. Je sais pas, c'était différent. Je saurais pas expliquer en vrai. Je vais pas faire l'américain en vrai, je saurais pas expliquer. Lui il est là. Le drone est à court de carburant, il rentre sur habitation. Oh un drone, c'est bien ça. Reconnaissance lancée. Drone ennemi actif. Le drone commence son survol. Oh moi je trouve que dans l'ensemble non, on était bien. Cold War, non, moi je trouve que c'était. Moi j'ai adoré hein, l'intégration, vraiment. Un ennemi atterrit dans la zone. Pas de deuxième chance. La résurgence est terminée. Le gars s'en rapproche. Une nouvelle zone de sécurité a été désignée. Le drone est à court de carburant, il rentre se ravitailler.
Il en reste plus que 10. Reconnaissance de la zone imminente. Le drone commence son survol. Aïe. Oh non, le sniper il va m'emmerder, il va me la mettre je pense. Ouais. Ouais ouais ouais. Shooter. Cheater toi-même. Reconnaissance lancée. Le drone commence son survol. Votre équipe est dans le top 5. Assurez-vous d'être les gardiens. Y'a un mec là aussi. Y'a un mec à l'arbalète là. Nouvelle zone de sécurité marquée. Ça bouge. Le drone est à court de carburant. Il rentre sur ravitaillé. Mets ta buffin. C'est la... C'est car... Elle était pas mal, elle était pas mal, elle était pas mal celle-là. Elle était pas mal, elle était pas mal. Les gars se rapprochent. Oh, je crois qu'il est en bas le bonhomme. Je sais pas ce qu'il me fait le collègue là. Je crois qu'il est en... Je l'ai entendu là. Je sais pas. Ouh là là. C'est pas possible. C'est un dingo lui. Oh, c'est un dingo. Ouais, j'ai envie de faire un 3-6, mais je vais le rater. Ouais, c'est un dingo. Gaga l'animal. C'est une brebis. Bah non, c'est... Non mais attends, c'est du troll là. Attends, t'es pas un bot toi? Mais c'est un bot. Oh non, c'est grave. Non, je l'ai raté. Non. Oh non, c'était un bot. Non, en vrai, c'est pas possible. C'est pas un humain. Je peux pas croire que c'est un humain. Je peux pas croire que c'est un humain. C'est pas un humain, ce mec-là. C'est pas un humain. C'est pas possible que ce soit un humain, gros. Il s'est arrêté, il m'a regardé. C'est des bots. Ils disent qu'il y a pas de bots sur le jeu, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit un humain. Je peux pas croire. Le mec, il m'a regardé. Il s'est dit, putain, il se passe quoi, là? Oh, le dingo. Oh, il... Ou alors, il était à 90 fauvés. Il montait à l'échelle. Il a pas compris pourquoi c'était coincé. Et il a levé sa tête. Il m'a vu. Et il a compris qu'il y avait un problème. Je sais pas. Je suis un peu sur le sous-choc.